Salut à tous, c'est Kogaya, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale, enfin spéciale. C'est la vidéo sur le Sketchmon. Je vais allumer la lumière, j'ai oublié. Excusez-moi. On va être en lumière, ça va être un peu mieux. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, donc le Sketchmon, donc, vous l'avez déjà vu en live avec Redemption, donc hier. Donc je vous rappelle un peu les règles du tiers. Vous avez le droit à un move complètement gratuit. Excusez-moi, je vais mettre un petit peu de musique. Voilà. On va mettre un petit peu de musique. Pour évidemment. Voilà. Donc je vous explique donc comment ça marche. Le Sketchmon, vous avez donc un move gratuit sur chacun de vos 6 Pokémon. Ça peut être n'importe quoi, sauf Sport, Sticky Web et Géomancy et Quiver Dance, entre autres. Il y en a d'autres, hein. Notamment Billy Drum aussi, qui est ban. Et du coup, et Cell Smash, hein, qui est également ban, bien sûr, j'avais oublié. Mais Exuviation, c'est ban aussi. Donc, parce que ça fait des trucs broken complètement. Du coup, je vais vous montrer ma team. Donc, elle se compose d'un méga agron défensif avec Shore-Up, Heavy Slam, Stealth Rock, Toxique. Donc, assez classique. Tapouler l'Escar avec Volt Switch, donc classique, hein, Psychic, Moonblast ou Glace. Landorus, défensif également, Defog, Rock Tomb, Roost et Earthquake. Kyurem Black, Z-Move avec Tailglow, Ice Beam, Earth Power et Roost. Greninja, Expert Belt avec Pico, Loptic, Gunshot et Sacred Fire, et Entei Band avec Vicriate, Retour, Stamping Tantrum et Stone Age. Donc on va lancer 4 ou 5 matchs, je pense, pas plus, histoire que ça fasse pas une vidéo extrêmement longue, parce que des fois les vidéos les matchs en Sketchmon peuvent être extrêmement courts, comme ils peuvent être extrêmement longs, hein, tant qu'on n'a pas de stall qu'on affronte. Et il n'y a pas beaucoup de gens sur le ladder, donc ça peut prendre longtemps de trouver un match. Donc je pense pas en faire énormément. Donc on va attendre qu'il y ait un match. Il faudrait bien qu'il y ait un match, s'il vous plaît. Ok, on a un match contre Eri Ballbag avec Pidgeot, Mega Pidgeot, donc comment il s'appelle? Mega Scizaiox, Regigigas, Malamar, Fundurus et Danticris. Donc on va lead, je pense, Aggron. Ça devrait pas être très très. On devrait pas grand. On devrait pas avoir grand chose à craindre des Pokémon adverses. On va mettre les pièges de roc. Inferno, d'accord. Bon, la burn est chiante. Mais on a mis les pièges de roc. Il a quand même décidé de mettre Inferno quand même. Juste j'ai de la pub de merde, donc ça c'est chiant. On va juste mettre un peu de musique. Excusez-moi. Voilà. Du coup, je reprends. Du coup, il a voulu faire Inferno. Ouais, d'accord. Donc, il a pris Inferno. Donc, il a pas Boomburst. Donc, ça, c'est pas mal. On va pouvoir. Soit on laisse mourir Aggron en soi. Il va défaut, ok. On se soigne. Là, peut-être que le mieux, c'est peut-être de toxique en vrai.
Des Fog Pidgeot, du coup. On l'a toxique parce que là, du coup, c'est pas mal. On va go Entei. Alors, je sais pas si on tank Hurricane derrière. Alors, vu les dégâts de. Au vu des dégâts d'Inferno, je dirais que si, on peut tanker Hurricane. Donc, on va Vicreate ici. Allez, pas la confusion, pas la prise de confusion. Merci. Bon, allez, on se débarrasse du Pidgeot. On aurait pu faire Dame de Rock aussi, mais bon. Se bloquer sur l'âme de Rock, là, c'est pas forcément une bonne idée. Du coup, bon, le Aggron est un petit peu. Enfin, il est burn surtout, donc c'est un peu chiant. Malamar. On va Golando. On pourrait être Golando en vrai. Pour faire des petits dégâts. Merde. J'ai oublié ça. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il a contrarié ce truc. Oh, alors l'a repoussé par contre. Hein. Ouais. Ah bah j'avais oublié ça, dis donc. Ah, c'est chiant ça. On va tenter le roost, mais. Oh, il a décidé de pas se booster. On go Lélé. Une blast. On n'a pas trop le choix là en vrai. On a vraiment pas le choix. Si je me fais sweep par ce truc, ça va être chiant. Ok. Il était pas full speed, ça c'est cool. Ou alors il était juste full speed, c'est vrai qu'il a pas fait 2x V-Create. Ce qui aurait été sympa de faire 2x V-Create en soi, mais. On a perdu Lando, du coup Size Off ça va être compliqué en vrai. Parce qu'on a Entei à 9%. Donc, Aggron et Burn, donc ça, on peut pas vraiment l'empêcher de danser flamme. Après on a Greninja Sacred Fire, donc on peut plus ou moins empêcher de Size Off de sweep. Plutôt intéressant. Il va sur ouais, intéressant. On va sac Entei, je pense. Ouais, j'aurais pu rester en soi. On va recreate. Bah là, il est plus ou moins obligé de me tuer, en fait. Voilà. Okay. Bon, bah, il faut burn, là, clairement. Parce que Loki, je suis pas sûr que ça tue. On va tenter la burn. Allez, 50% de chance. Ça blanche jamais, ouais. Putain, le... Mais lol, enfin, j'ai envie de dire que ça blanche jamais, ce truc. Hein. Ça va être chiant. Très chiant. S'il est full speed, on a perdu. Non, ça va. Il est pas full speed, j'espère que ça tue. Ouais, j'aurais peut-être dû me faire Taiglo, là. J'aurais peut-être dû faire Taiglo, là. Ah, c'est chiant ça. Après, bon, ce match, je veux rien dire. Enfin, déjà, jouer Regigigas dans ce tiers, je trouve pas ça intéressant. Parce que le skill swap est super. Enfin, le skill swap est intéressant, mais dans ce cas-là, faut pas jouer skill swap en fait. Dommage de pas avoir HP Fire. Hein. Enfin, ça aurait été bien que j'ai HP Fire. Hein. C'est pas Mega Sizor. Ah oui, c'est vrai. J'espère qu'il est pas. Enfin, Wall Switch. J'espère qu'il est pas SD. C'est ce que je suis en train de dire. Ouh. Hors de vie. Toxique.
J'ai envie d'hurler en vrai. Bon bah si la Focus Blast, hein, on a perdu. Hein. De toute façon. Okay. Bon bah il faut crit psychic, on a pas le choix. Bah de toute façon il peut pas one shot hein, attends. Ouais. Je fais un psychic. Oh putain il a tanké ça. Pas la para. De toute façon, faut changer rien, faut crit psychique. Hein. Enfin, faut crit de Bruxish et faut crit Cyber. Ouais, ouais, même un crit ça passait pas. Ok, bon bah je me suis fait axe hein, évidemment. Le, puis le coup du Gigas, c'était extrêmement chiant aussi. Bon, du coup, une défaite. En espérant avoir d'autres matchs assez rapidement. Ouais là c'était chiant le coup du Rigigigas Kill Swap, mais j'aurais dû le voir. Le coup du Pidgeot Inferno j'aurais dû le voir aussi hein, et aller sur Entei directement. Mais bon il a déjà canicule donc je vois pas le coup de faire Inferno en fait. Autant prendre un truc qui vous permet de passer Itran parce que ça sert à rien. Quoi. Le but du Sketchman c'est ça, hein, c'est qu'il faut passer Itran. Donc, on va lead Tapu Lele. On va Vol Switch. Ouais, le coup du Rigigigas qui swap, c'était chiant. Surtout le coup du Sacred Fire qui burn pas, hein, surtout. 50% de chance. J'aurais burn le Rigigigas, en vrai, j'aurais été bien. Ça tue pas, sérieux. Grunt, je pense que c'est le mieux en soi. EDR, ouais, jamais les tuer du coup. On va faire Evislam. Lorsque qui fait 0 dégâts. Hop, on tue l'aérodactyle, donc comme ça on va pouvoir défaut plus tard. Ça va sur Alakazam. La caserne ça va être compliqué en vrai. Faut que je fasse des dégâts. Hein. Waouh. Specs. 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 Non, il est orbe vie ou specs, mais franchement. Ok. On va à Sacred Fire. Je pense qu'il est orbe vie. Hein. J'aurais pas tué sinon. Ou alors il est space. Bah j'aurais dû m'en douter, ouais. J'aurais dû m'en douter. Alakazam mind blown, ouais, j'aurais dû m'en douter. Donc c'est pas méga Alakazam déjà. Donc on dépasse avec Grain. Là le Sacred Fire il touche tout le monde. Hein. Burn. C'est très bien de burn là. Du coup, bah, on a Freelando. On va pouvoir des folles. Sabotage. Bon, il a sabotage, il a pas HPA, ils sont d'accord. On va des folles. On va. Bon, il peut pas être. Bon, il peut pas avoir la speed low lui. Donc, on va aller sur Tapu Lele, on va faire Vol Switch. Go switch. On va pouvoir go Entei. Pourquoi je go Entei? Tout simplement parce que comme ça
C'est quoi le menu? Parce que le Kazam peut être chiant en fait. Je pense qu'il est specs le Kazam. Je pense qu'il est specs. Hein. Specs. Hein. Ça aurait aucun intérêt. Enfin, et oui, les Wheelers, il est life form, mais. Enfin, ouais. On va faire retour. On va tuer les Aurora. Alors, ça serait bien qu'il aille sur Magarna là. Parce que je peudrais des fogs avec Lando, du coup. C'est pas un Magarna. C'est bien. Après, il y a Laser Glass qui peut être chiant, mais bon. Ah, mais Sticky Web avec Magarna, avec Alakazam Mindblown, je peux pas vraiment gérer ça. Hein. Bon bah, je dépêche. J'espère. En vrai, s'il est specs, ça m'arrange, parce que du coup, je peux envoyer Greninja, mais bon. Ouais, c'est vrai que je pourrais hard machin. Kazam. Est-ce qu'on peut hard Tapu Lele en vrai? Ah, mais s'il y a Shadow Ball, ça va être chiant. Oh, attends, on va rester. Ok. Pourquoi Tapu Lele? Google Switch. Ouais, il est specs, on sait bien ça. Ouais, il est bien specs. Il est bien specs. Il est plus con. Bon, après, il a sûrement Ice Beam, mais bon. Ouais, il est bien specs. Putain, specs Kazam, quoi. C'est tellement chiant. J'ai perdu. Nique ta mère. Bon, le mec joue une sticky, hein, ça compte pas. En vrai, si j'avais lead Lando plutôt qu'Agron, ça aurait été mieux. Parce que j'aurais spammé des fog. Ouais, mais sticky c'est nul en fait. Enfin, c'est pas fort sticky. Enfin, pas avec Ribombi. Il vaut mieux utiliser Slurp. Vous perdez contre tous les leads en fait. C'est un peu con. C'est Hippodon qui pose les poches derrière, donc on va y tuer. Hein. Ça va faire saut quand je suppose. Ouais, t'as eu de l'eau en vrai. Toxique. Bon, ouais, t'as eu de l'eau. Le fait, le pire d'être, le fait d'être toxique, c'est pas très grave en soi. Pis. Oh, l'aspect des Europe. Est-ce qu'il va anticiper là? Il y a moyen, on va faire le Z. T'es sérieux? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Bon, le Pucuputu est mort. Vraiment, vraiment mal dans ce Pokémon. On va hard Greninja. Ok. On burn, s'il te plaît. Ah, les burns. Mon blast, ok, c'est mal ou pas? Ou le crit? Bah, c'est un peu la punition, hein, je veux dire, pourquoi tu hard ton hippodon sur un. Moi je tape, hein. Ok. Oh là, bon, un drop d'attaque spéciale, on s'en fout. Pour le coup, sur Excadrille, la drop d'attaque spéciale, on s'en tape un peu. Hein. Ok, Thousand Arrows. C'est pas
pas extrêmement gravissime. On va roost. Ah, oh, j'aurais pu rock tomb. Ça aurait été sexy de rock tomb là. On va rock tomb quand même. On va sac Kyurem. Allez, on va faire crunch, je suppose. Ok. Extreme speed. What the fuck. Goulélé. Blacéphalion. Pardon. C'était trop tentant. Il est Scarf, hein, lui, hein. Sualté. Oh non, pas du tout. Il n'est pas du tout Scarf, d'accord. Donc j'aurais pu retaper Moonblast. Non, mais c'est une bonne idée qu'il soit pas Scarf. Le mec a trop cru, là. On va sac Greninja. Oh la speed, c'est si chiant. J'aurais dû retaper. Putain. Ouais, GG. Putain, Taiglo c'est broken. Taiglo c'est broken. Je pense que Taiglo c'est broken. C'est trop broken. Mais en vrai, j'aurais dû hard grain et. Enfin, le sub. Ah là là. Ça perd contre Titar par exemple. Enfin, le problème, l'avantage de Blacéphalon, c'est de lui mettre un truc qui passe ses contres. Si vous mettez genre Taiglo, ça sert à rien en fait. C'est pas avec Taiglo qui va passer Titar en fait. Mettez des trucs qui passent les contres, sinon ça sert à rien en fait. Ça sert absolument à rien. Mettez des trucs qui servent à rien quoi. On va aller de graines. En plus, j'aurais pu avoir deux shuriken. On va sacrer de fire, je pense. C'est assez free. Ça va pas tuer, mais bon. Toujours la chance de burn en plus. Ok. Ça n'a pas burn. MDR. Ça n'a pas burn. Du coup, on va Golando. Bullet Punch. Ok. On va poser. Ah bah non, j'ai pas les SR, MDR. On va. Rock tomb, je pense. On va go. Kyurem. On va poser des. Non, il fait U-turn, d'accord. Ok. Je ne pense. Bon, là on va hard blélé parce que ça sent le bullet punch à 10 000 km. Vol switch. Graine. Est-ce qu'on gunshot ou est-ce qu'on spike? On va sacrer de fire. Allez, la burn. S'il vous plaît. Si on burn Lando, on burn bien. Voilà. Ok. C'est pas mal, tout ça. Pas mal du tout. On va aller, on va go notre propre Lando. Bon, là, il est vraiment pas bien, le Lando, là. Ouais. C'est Scarf Lando, donc il a pas les PDR. Là, on a free PDR, en vrai. Mais non, je les ai pas. On go à Gron. Ok. Y'a
aura plus de Mystic Terra dans pas longtemps, donc on va pouvoir SR assez facilement, je pense. Après voilà, hein, c'est la team que j'avais montré, chez Red, donc du coup bah, les gens finissent par la connaître. Je suis pas forcément dans le mood là, mais on s'en fout de gagner ou de perdre en soi, c'est juste pour vous montrer le tiers, c'est tout. Le but de ces vidéos, c'est juste pour vous montrer le tiers, donc si je gagne ou si je perds, c'est pas forcément une bonne idée, c'est pas forcément grave. Ça va sur Serperior, d'accord. Est-ce que ça a sub? Il a pas sub, donc du coup, bah, toxique et free. Ok. On va Evislam. Pi. Agron, est-ce que j'en ai besoin? Pas vraiment. Ça aurait été bien qu'il m'y soit. Dommage. Bon, il n'y a plus de Serp... Oh, y a presque plus de Serperior. Donc on va aller sur Greninja. On va taper... Gunshot. Bon, le Gunshot qui va faire 2%. Si j'avais mis, en vrai, j'aurais été mal, mais non. Il a ça que son Serperior, donc on saute. Le Demeteros qui revient, qui est donc Scarf, hein, vu que bon, ça paraît un petit peu logique. Kyurem. Il est intimidé, ça pourrait pas faire énormément de dégâts. Alors ce serait bien qu'il meure pas de la burn. Yes. Comme ça chez Frirust. Ok. Du coup, Mawile. Goentei en vrai. Ouais, Goentei. Parce que je pense qu'il va, il va anticiper, il va faire Kainri. Ah non, pas du tout. Pas du tout. On va. Est-ce qu'on se tend. On va stoner genre. Ok, ça fait de l'aide. Ah, parce que faire Vicriette pour 2 PV, c'est chiant. Ok, ça va sur Coco. Coco, je t'assure. T'avoue que ça va être un petit peu compliqué quand même. Faut pas sac QRM. Je pourrais hard lélé en soi, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? On va aller sur Lando. On va sac Lando. Je pense qu'il va faire. C'est un tap coco physique du coup. Est-ce qu'on roost? Non, on va squad. Crit. Ok, le Earthquake. Ok, c'est bon. On va double Earthquake. Ah, c'est un top finissant speed. Lol. Il a quoi comme attaque? Il a forcément PC Glace, hein, tu vas me dire. Est-ce qu'on hard l'élé? On va boost. Voilà, PC Glace. Du coup, il est bloqué sur PC Glace. C'est intéressant parce que du coup, j'ai l'élé. Lélé qui va pouvoir faire des petits psychiques. Bande PC Glace. De toute façon, il me tue pas avec PC Glace, donc même s'il était Scarf, c'était pas un problème. Non, il est pas bande, il a switché de nous. Et voilà le forfait. Ça nous fait 3 matchs. J'avais dit qu'on en ferait 5. Donc du coup, il en reste 2 encore. Allez, Voltaïque. Ah, il y a un Slaking encore. Je pense que Slaking et tout, ça devrait être ban. Enfin, je sais pas ce que ça attend. J'ai bien envie de l'Hydragon là. On va être Greninja parce que j'ai peur que ça lit Snorlax. Ça, on va le sac. Alors, on pourrait Sacred Fire en soi, parce que je pense qu'il va mettre les pièges de rock. Donc, on va Sacred Fire. Burn. La burn aurait tellement été bien. On va go QRM.
Ça, c'est un peu broken, hein, on va pas se mentir. Est-ce qu'on go Lando et on défogue? Ouais, on pourrait hard Entei aussi sur l'avenue de Césor. Mais j'ai peur qu'il reste. On va Tail Glow, je pense. Non, quoique. Ça sert à rien en fait. On va Lando. On va go Lando et on va anticiper l'arrivée de. Il pensait vraiment l'espacer. Des folies. Le fait que Greninja ait été mis à. Est en train de dormir, c'est chiant parce que. Je vais pas pouvoir du coup lure le. Oh! Pas être confus maintenant. Alors, go à grand. On évite slam en mode il va mettre Goulurk. Ouais, on va essayer. Le crit. Gros crit. Hein. Toxique. Double crit. Ouais, alors si les crits font 18%, ça... La Gwentei. Pourquoi je go Entei? Parce que bah il va sûrement go Sizer au bout d'un moment, donc quand il va se voir que. Oh bah voilà. Ah il n'y a plus de Sakin du coup. Bon, si on gagne sur le timer, on a encore un match à faire derrière. Concrètement, il peut envoyer qui là? Parce que en vrai, Vicriate va encore faire un kill. Parce que même. À moins que ça soit Goulurk full speed, mais je crois pas. Hein. Oh, ça va sur. C'est ça, ouais. Ok. On va go Agron. C'est un petit peu free quand même. Mega Sceptile, Dragon Pulse. Parfait. Le petit Agron qui va prendre des petits dégâts. On go show up en vrai. Oh, il y a peut-être Focus Blast. Moi je suis goat, je go Lélé. Bon, là il faut faire Moon Blast hein, par contre. Allez hop! Bon, je dépasse, hein. Tão importante quanto estar conectado. Faut pas miss, hein. Hop. Ah, mais ça peut pas miss, il a nos gardes, lol. J'avais oublié. Tu peux pas miss, il a nos gardes.
Vamos conversar. Snorlax. Snorlax, on va taper parce que il faut. Ouh. Parce que même au pire s'il fait Belly Drum, j'ai Délé derrière qui peut tuer parce qu'il peut pas faire Extreme Speed. J'envoie les dés, je fais Vol Switch, je sac un Pokémon et voilà. On va go Lando. Fatality Earthquake. Pfff, le cri. That crit, bro. On va go Entei. Bon, Entei qui fait le café quand même, hein, des fois, hein, ça fait plaisir. C'est plaisir parce que c'est un Pokémon qui est pas forcément ouf en soi. Mais c'est vrai que Vicriate Band de Entei, ça fait quand même plus mal que Vicriate Band de Victini. Hein. Et ils ont la même speed. Donc en fait, dans Sketchmon, vous avez aucune raison de jouer Victini en fait. Parce que vous avez. À moins que vous vouliez un vrai switch à Lélé. À moins que votre but, ça soit vraiment de check Lélé. Il n'y a aucune raison de jouer Victini plutôt qu'Entei en Sketchmon. Parce que Entei peut avoir Vicriate. À moins que vous vouliez jouer Victini Close Combat. Dans ce cas-là, ouais. Effectivement, Victini est meilleur. Mais il faut savoir que Entei a quand même accès à Stomping Tantrum pour gérer les Heatran s'il le faut. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Tornadus, ça va être chiant. En plus, j'ai pas Earthquake sur Aggron. Donc du coup, si le Magnézone me trappe, c'est chiant. J'ai bien envie de Greninja, mais en même temps, si c'est encore à la Kazam Mindblown, ça va être chiant. On va aller Tapu Lélé. Je le vois très mal rester, mais en même temps, ça chie qui est tellement fou. Ça chie. Après, j'ai pas envie de prendre un knock-off non plus. On va Vol Switch. On va faire Vol Switch parce que j'ai pas envie de me prendre un knock-off. Et il a aucune raison de savoir que je suis Scarf, donc. Après, je suis même pas sûr que Psychic ça tue. Hein. C'est le pire. Après, ce genre de vidéo, je fais pas non plus du tryhard. Hein. C'est des vidéos pour vous montrer les méta, donc j'ai pas besoin de faire du tryhard. Donc c'est le dernier match, hein, celui-là, de la vidéo. Ah, par contre, s'il pouvait juste accélérer un petit peu, ça m'arrangerait. Bon, si je gagne sur timer, en soi, c'est un peu chiant. Ok, il a pas switché. Il faut que j'aille sur un truc qui gagne Tornadus. Ah bon. Ok, il turn. Du coup, il va récupérer un petit peu. Du coup, le Vol Switch aura quand même fait un peu de dégâts, donc c'est plutôt pas mal. Demeteros. Demeteros, je le tank hein, normalement, hein, on est d'accord. On va toxique, ça sera peut-être plus intéressant que de mettre les pièges de rock ici. Là. Dans Slam, tiens, j'ai tellement bien fait de toxique. J'ai tellement bien fait de toxique. On va aller sur Lando. Allez, leur squad qui passe pas. J'ai envie de check si c'est Z de Fly en fait. Donc pour ça, on va aller sur Aggron. Ok. Bon, c'est bien, on gère bien là. Je tente peut-être en vrai. Ok, ça switch. On va pouvoir mettre les pièges de rock là, c'est plutôt cool. Le problème, c'est qu'il y a Magnezone. Je peux pas non plus me permettre de perdre Aggron. Là, il va U-turn, c'est sûr. J'ai envie de go Entei, mais en même temps...
Ouais, on va Gwentei. Je Gwentei parce que j'ai pas forcément envie qu'il U-turn sur Magnézone. Il a mis piège de roc, bon, c'est pas très grave ça. On va Vicreate. Oh, bon, il n'y a plus de Tornadus. Hein. Sauf quand on mise, évidemment. 95% de précision quand même. En soi, même Greninja, il va prendre chien. Si il sac Magnézone, je rigole. Même Greninja, ça va prendre cher en vrai. Toi, t'es mort, je pense. Hein. T'as un landau offensif, jamais tu tank. Hein. Faut pas exagérer non plus. Ça va être chiant en vrai, parce que si je me fais trappe le Aggron, ça va être chiant. Pas que je me fasse trappe Aggron. Peut-être que c'est mieux de mettre Earthquake plutôt que Toxic, je sais pas. Peut-être que je mette les PDR sur Lando, c'est mieux, je sais pas. Tapoulélette. Alors, Tapoulélette, qu'est-ce que ça peut faire? Ça va faire Psychic, c'est sûr. Ou alors ça va faire Volswitch, mais si ça fait Volswitch, c'est chiant. Est-ce que j'ai intérêt à sac Entei? Pas vraiment. On va quand même tenter. Ouais, ça fait Psychic. Bon, du coup, on a Free Grain, ça c'est cool. On a Free Sacred Fire. La la la. Oula. Pourquoi ils sacent son Lélé en vrai? Pourquoi ils sacent Lélé en vrai? Je comprends pas. Allez, boum le Green Ninja. Moi et mes rôles. C'est intéressant les rôles hein, dans mon cas là. Bon, Lélé en soi, est-ce qu'il peut clean? Pas vraiment, il y a Magnézone, c'est chiant. Cela dit, il n'y a plus d'immunité à Volswitch, donc ça c'est intéressant. On va tenter de relo kick. Scarf. Bon, soit il est Scarf, soit il a gagné la speed time. Le fait qu'il soit bloqué sur mon Gaze Beam, ça m'intéresse parce que du coup, Lando il peut peut-être tanker. On va voir. On va faire des fogs. S'il n'est pas bloqué, c'est qu'il a gagné la speed tie. Ok, ça passe. D'accord. On va rock tombe. Plus rapide que moi. On va double rock tombe. Oui, je joue bien son tournadus full speed. Putain, mais du coup. Ah, ouais, d'accord. On doit avoir un ou deux de plus de vitesse que moi là. J'ai peur que ça retourne sur Tornadus en fait là. On va roost. T'as pu les lits, d'accord. Ok. Ouais. Bah en vrai on peut go Aggron, mais le problème c'est qu'il y a Magnézone quoi. Donc je peux pas vraiment go Aggron en fait. Tu vois ce que je veux dire. Bon, on va faire Tapoulélé. On va faire le un play un peu plus safe, on va dire. On va faire Volswitch. Bon, il est Scarf lui aussi. Ah, est-ce que Volswitch en Magnézone. Du coup, j'espère que c'est pas Magnézone Scarf. Ça serait chiant si c'était Magnézone Scarf. Parce que je go QRM. Earth Power. Il sac Magnézone. Ah bon.
Pourquoi? Pourquoi Sackmann Yezhoun maintenant? C'est Z Tornadus du coup? Bah en fait maintenant je peux go à Grone en fait. C'est un peu débile en fait. Je peux go à Grone maintenant. J'ai plus aucune raison de me faire trap maintenant. Une blast. Oh là, tac, spécial qui drop, on s'en fout. Est-ce qu'on fait Vislam? Ouais, c'est gratuit. Il était pas Scarf du coup. Avec Azam. Est-ce qu'on sac Lando? Parce que j'ai vraiment envie de sac Lando. Il va faire Mindblown là, je pense. Ou alors Focus Blast, mais si je le tank pas, ça va être chiant. On va tenter Lévi Slam. Bah, il aurait pu miss. Hein. Attends, on a encore une chance. On go tapou Lélé, on fait Vol Switch. On a encore une chance de win. Hein. Ouais, voilà. On sac Lando. Faut pas que ça soit Greninja Scarf, en fait. Si c'est Greninja Scarf. Faut que je tue avec Moonblast, là. Faut que je calque. Les mecs, faut que je calque parce que je crois que c'est. C'est Greninja Scarf. Si c'est Greninja Scarf, en fait, j'ai perdu. Donc, il faut pas que je fasse ça. Il faut que je fasse ça qu'une fois, en fait. Tapu Lélé. Scarf. Contre Alakazam. Méga. Moonblast, ça fait entre 59 et 70. J'ai besoin d'un quasi-max roll. Compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Du coup, j'ai pas le choix. Je suis obligé de. Roost. Oh, il a foutu en geyser. Ouais. Je peux tenter le crit. J'aurais dû poser les pièges de roc en fait. Ah, si j'avais pu poser les pièges de roc, ça aurait peut-être pu être sympa. Ça fait combien Psychic sous Psychic terrain? Ça fait moins. Hein. Il me faut le max roll, là j'ai pas le choix. Parce que si c'est Scarf Grain, en fait, j'ai perdu. C'est tout. Quoi qu'en an. Attends. Non mais je meurs de Focus Blast. Hein. Quoi que Focus Blast, ça fait 12-14. Faudrait pas qu'il anticipe en fait. On va tenter quelque chose. Oh! Quoi? Pourquoi il fait ça? Oh, ça change rien en vrai. C'est un 50-50 de merde. Photon geyser, ça tue ou pas? Ouais, ça tue. Donc là, il a aucune raison de pas faire photon geyser. Bon bah ça changera rien, il me faudra le min roll, le max roll sur Psychic. Sur Moonblast, pardon. Allez, le max roll, s'il te plaît. Oh putain. GG. J'avais besoin du max roll, GG. Bon bah on termine sur une défaite, mais le match était quand même cool, donc j'espère que ça vous a plu.
Donc j'espère que vous avez vu à peu près comment fonctionne le tiers. Bon, l'équipe de Oppo était cool, hein, mais je sais que j'avais eu le Max Roll sur Moonblast, ça passait. J'ai cru que c'était un choke de sa part de... J'ai eu un rôle normal, je crois. Du coup, bah, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout de suite, enfin, on se retrouve aujourd'hui ou demain pour la nouvelle vidéo sur le Partners in Crime. Et d'ici là, je vous dis à bientôt, les amis. Ciao!